Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, session de truite. Voilà, donc je vais commencer au leurre avec le petit, si j'arrive à l'attraper, mince, décidément, le petit barne 40, voilà, coloré perche. Donc là on va commencer sur le parcours au leurre et ensuite, plus tard dans la matinée, je vais aller sur le parcours aux appâts naturels. Je vais pêcher principalement aux vers de terre, aux appâts naturels. Bon là, on va commencer sur ce petit parcours au leurre. C'est parti. La prochaine fois, je prendrai des waders parce que là, je suis déjà trempé à avoir marché dans les plantes, avoir marché dans les plantes, dans la boue. Du coup, je vais devoir zapper une partie de la rivière que je peux pas faire malheureusement. Et on va aller directement sur une deuxième partie du parcours au leurre pour ensuite aller sur la partie aux appâts naturels qui, je pense, va être plus fructueuse à mon avis. La deuxième partie au leurre sera normalement mieux. Tu vas regarder des petits lapins là. Pas mal de petits lapins qui se baladent. C'est vrai qu'on est assez tôt, donc du coup, ils en profitent pour sortir. Bon, je suis toujours au barn 40. Mais ouais, comme je l'ai dit, on va aller directement sur la deuxième partie. Au leurre. Donc pour pêcher la truite, j'utilise une canne dame ultralight spin 180, donc elle mesure 1m80 et c'est une puissance de 8 grammes. Je sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, de 8 grammes, 180 en deux brins. Et comme moulin, j'utilise un Daiwa Ninja 1500. Donc là, j'ai mis la deuxième bobine, sachant qu'il y a. Ils vendent le Ninja avec deux bobines, donc une première bobine qui est un peu rouge et noire. J'ai utilisé celle-là pour mettre de la tresse et du fluorocarbone. Celle-là, j'ai utilisé pour mettre entièrement en nylon pour pêcher la truite. Voilà. Oh, poisson, yes, yes, fish on. Belle truite. Oh, c'est cool ça. Elle a bien pris. Ça, c'est une sauvage. Par contre, pour aller la chercher, ça va pas être facile. Oh, c'est une sauvage en plus. Magnifique. Ah, je suis content. Ouais, elle est belle, elle est belle. Faut que j'aille la chercher, mais je peux pas en fait. Je peux pas aller la chercher parce qu'il y a de l'eau en dessous de moi. Je suis désolé. Comment je vais faire? Je vais devoir la prendre par le fil. Je vais essayer de descendre comme ça. Elle vient par la cocotte. Oh non, décroché. Oh tant pis. Bon bah c'est décroché juste devant moi. Tant pis. J'espère que vous l'avez bien vu. Bon bah c'est-à-dire que j'ai fait un poisson. Moi je suis bredouille. Je suis pas bredouille, je veux dire. Ça c'est plutôt cool, en plus c'était une belle sauvage. J'étais vraiment sur une animation lente, justement en fait j'étais pas du tout concentré en fait. Je faisais quasiment aller mon leurre à contre-courant en faisant du surplace en fait, il nageait tout seul. Et ça fait un poisson, ça c'est cool. Ouais, franchement le barn 40, franchement, c'est sympa comme leurre. Avec une petite dizaine d'euros, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez en prendre 4-5. Et ça vous permet d'avoir tous les coloris. Et puis, vu que c'est un leurre qui coûte pas cher, vous pouvez tenter de les lancer osé. Puis, franchement, il prend du poisson. Voilà, c'est nickel. Et aussi, grâce à sa grande bavette, justement. C'est un peu un poisson nageur avec une forme de poisson nageur comme ça. Mais crankbait en même temps. Donc, ça permet d'aller chercher les zones assez profondes. Comme dans ma rivière, par exemple. Il y a des zones qui sont assez profondes. Ça, pour moi, c'est le leurre idéal pour ma rivière. Un petit coloris perche, la truite n'a pas hésité, donc voilà, tant mieux. C'est vrai que les truites sur cette partie de rivière au leurre sont pas trop pêchées, sont plutôt pêchées dans les parties aux appâts naturels. Donc voilà, donc je suis content. Petit barn 40, je rachèterai et puis j'essaierai de diversifier un peu mes coloris.
Sachant que je sais qu'ils font des coloris aussi Veyron, des coloris Fario, j'en avais un petit barn 40 coloris Fario. Voilà. Parce que le Gunky Gamera sur ce genre de zone, il descend pas assez. Même le barn 40 descend. C'est un peu limite d'ailleurs. Parce que là, la truite, je l'ai vu attaquer en surface. Enfin, presque en surface. Entre deux zones, l'heure commençait sa descente et à l'attaquer. Il est l'heure de se faire le montage pour la pêche aux appâts naturels. Donc là, je vais enlever et couper mon agrafe. Puis on va repartir sur un montage, je vais vous montrer un peu comment je fais. Alors donc pour faire ce montage, je vais utiliser un tout petit émerillon de cette taille. J'arrive bien à l'attraper. Je sais pas c'est quelle taille, hein, mais je prends le plus petit possible. Je vais en prendre un plutôt qui est noir mat. Il est un petit peu plus gros, mais il est noir mat, ça va moins se voir, il va moins briller. Hop. On va l'attacher tout de suite. Donc je l'attache avec un nœud cuillère tout simple. Et ensuite, on va tout simplement mettre un hameçon directement avec une ligne en fait. Hop, voilà. Donc on va directement mettre ça, donc il faudra faire le démêler. Voilà. Donc comme ça, ça laisse une bonne distance de bas de ligne, à peu près 50 cm. Vous avez juste tout simplement en fait à faire un. C'est quasiment même pas un nœud en fait, vous allez juste déposer votre hameçon. Donc c'est tout simple. En fait donc la boucle. De la ligne de l'hameçon, vous allez essayer de la pincer pour qu'elle soit plus petite possible et vous la faites rentrer dans les mérillons. Ensuite voilà, vous tenez comme ça. Ensuite la boucle, vous la tenez dans un doigt tout en faisant gaffe à ce qu'elle sorte pas des mérillons. Vous allez prendre votre hameçon et tout simplement le passer dans la boucle. Voilà. Voilà, et là vous allez tirer. Tirer, tirer, tirer. Donc là, en fait, tout simplement, vous allez faire un nœud coulant, en fait, c'est ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Un nœud coulant, c'est-à-dire autour de votre boucle et votre émerillon. Comme ça, vous pouvez même changer d'hameçon. Après, vous pouvez repasser, vous pouvez l'enlever. Si votre hameçon est tordu, vous pouvez changer d'hameçon sans couper. Comme ça, vous pourrez le récupérer plus tard. Donc voilà. Donc c'est ça mon montage. Et ensuite, je mets quelques plombs, vraiment très légers, au-dessus de l'émerillon, bien entendu. Pour ça, j'utilise des plombs truites spéciaux. Voilà, des plombs de 0,70 g. Vous en mettez 4-5 et puis ça fera l'affaire. Même 3-4 ça suffit. Et donc comme appât, comme vous voulez, moi j'utilise des vers de terreau, tout simplement. Là d'habitude je les prends chez moi, mais là avec le temps sec on a du mal à en trouver, donc du coup j'en ai acheté. Des vers de terreau, des teignes, ça marche bien. J'ai jamais pêché à la teigne, mais à l'ouverture, comme vous avez pu le voir, la teigne a bien marché. Voilà, c'est des petits vers de terreau comme ça. C'est vraiment l'idéal. Bon là il y en a qui ont un peu séché. D'ailleurs c'est assez curieux. Donc sinon vous en prenez un tout simplement. Bon lui il est un petit peu plus vivace que les autres. Vous prenez votre hameçon. Vous allez juste le piquer dans la tête comme cela. Hop. Voilà, en fait vous laissez comme ça, peut-être pris un hameçon un peu trop gros, mais bon. Normalement, il doit se déposer juste sur le fil. Sinon je vais faire la deuxième technique. Voilà. Donc là votre verre est correctement monté. Voilà, comme ça dans l'eau il va bien nager, l'hameçon sera bien libre. Voilà, bon là je suis un peu dégoûté par contre pour les vers. La terre c'est vrai qu'elle est vraiment sèche dans leur truc. Donc voilà, c'était l'instant montage à pas naturel. Poisson. Yes! Vite, 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 vite! Je vais pas prendre de photos, je vais pas l'embêter. Ça glisse bien par contre. Regardez-moi, belle truite Fario sauvage, magnifique. Oh là là, regarde-moi cette tête. Oh, magnifique. Allez, release. Yes, ça a l'air parti se poster dans le courant.
Super content les gars. Yes. Oh, poisson. Une petite perche les gars. Small perch. Ah, bah décrocher, tant mieux pour elle. Yes, poisson. Belle petite truite. Yes. On va vite fait la dropper. Jolie truite Fario, magnifique. Regardez les petites couleurs sympas. Couleur or en dessous. J'espère qu'on la voit bien. Magnifique. Allez, retourne à l'eau. Voilà. Super. Poisson. Petite perche. Petite perche les gars. On la remet à l'eau. Et voilà. Le tour est joué. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc pour info, vu que mes vers de terre étaient HS, j'en ai gardé 3-4 qui étaient pas mal. Puis ensuite, je suis allé acheter des teignes vite fait. Parce que les teignes, je sais que ça marche bien aussi, comme je vous l'ai dit avant. Et vu que j'avais pas assez de vers de terre, ça aurait été galère. Donc du coup, pour ceux qui s'intéressent aussi, l'animation. Alors donc c'est tout simple en fait. Les vers de terre, je les animais un peu comme un jerkbait en fait. Je les lançais à contre-courant. Enfin, je les lançais dans le courant, je les laissais dévaler le courant. Et ensuite, je les ramenais à contre-courant en faisant des petits jerks en fait, comme un jerkbait. En fait, ça permet de faire un peu plus de vibration. Et le ver de terre, s'il est un peu de mauvaise qualité, il va plus nager. Normalement, avec des vers de terre de bonne qualité, vous pouvez juste le laisser dans le courant et laisser les plombs au fond, il va flotter dans le courant et puis il va nager tout seul. Là, vu qu'ils étaient un peu secs, fallait les animer. C'est pour ça que je l'ai animé un peu comme un jerkbait. Et pareil pour les teignes, c'est un peu le même principe. Sauf que la teigne, c'est moins souple que le ver de terre. Donc ça va. La teigne, elle va plutôt virevolter dans le courant. Voilà. Donc là, ça a plu aux truites. Et les vers de terre ont plu aussi aux perches. Donc voilà, c'est super cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.